Voici un appartement parisien. Il est plein de souvenirs, d'objets, d'odeurs et de meubles qui ne sont pas les miens. Mais la vieille dame, que je ne connaissais pas et qu'elle habitait, est partie au ciel. Et l'appartement est maintenant vide, vide d'elle. Il est vide et plein à la fois. C'est curieux. Voici un album photo de famille. Tous ces visages, ces poses, ce sourire, rire, larmes d'enfants, les jours heureux des vacances, mariage, baptême, les fleurs séchées entre les pages, encore le vide et le plein. Ces souvenirs qui ne sont pas les miens. Et souvent, d'ailleurs, ils ne sont à personne. Quand le fil s'est rompu, les légendes familiales ne se sont pas transmises comme autrefois. Et si les murs de cet appartement étaient couverts par des photos de famille, mais qui sont aussi des œuvres d'art? Et si chaque membre de cette famille était représenté, exprimé par et avec les œuvres d'art? Leur présence devient poétique et fluide. Leur essence même prend une forme définie et indéfinie, objective et subjective à la fois. Et l'univers de cette famille, qui normalement nous indiffère, devient proche, touchant, familier. On s'y reconnaît aussi, mais pas parce qu'on y a retrouvé les mêmes meubles ou gravures de Versailles de notre propre grand-mère, mais parce qu'on rentre dans la zone de dit et non dit, des matières les plus fines de l'être humain, de ses humeurs, de ses rêves, espoirs et désespoirs. L'histoire de famille est une exposition dans un appartement bourgeois parisien traditionnel. C'est une exposition intimiste qui se visite seule. Pour entendre vos souvenirs se bousculer dans votre tête, pour plonger dans le temps et l'espace, entendre le craquement du parquet, parler avec les esprits et se remplir des messages secrets transmis par les œuvres. L'histoire de famille est une exposition qui réconcilie le passé de ce grand appartement écran avec le présent et le futur. Et ce, à l'aide de l'art. Puissant, intemporel, réparateur.